Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tuffy Tuff et on se retrouve pour une vidéo de Zelda Breath of the Wild où je suis en haut de mon arbre où on s'est quitté il y a. Dans la dernière vidéo, là c'était un peu plus bas et donc je me suis dit je vais attendre le petit matin ici qui arrivait super rapidement puisque c'est vrai que le soleil se lève dès 3h30 du mat quoi en gros. Donc ça a passé super vite. Ça a passé super vite. Donc voilà, on est à la recherche d'un dernier petit sanctuaire qui ferait du bruit par là. Qu'est-ce que t'es, toi? T'es quoi, toi? T'es quoi? T'es quoi? Vous ne servez à rien. Et eux, ils chassent le sanglier. C'est très bien pour eux, on est content. Par contre, je n'entends plus le bip. C'est une petite réflexion que je me suis faite juste après avoir coupé la vidéo la dernière fois. Je me suis dit, merde, là où je suis. On n'entend plus le bip du sanctuaire qui nous disait sanctuaire à proximité. Donc je repars un peu en rond. Je repars un peu en arrière. Je tourne un peu en rond. Voilà, la phrase complète, telle qu'elle aurait dû être prononcée du premier coup. Un peu de miel. Ah ouais, mais il y a des abeilles là. Donc c'est une très mauvaise idée de rester ici. On est d'accord. Et elle me course. Elle me course vraiment. Mais genre jusqu'à l'infini ou elles ont une zone d'action où elles vont se calmer? Non parce que moi j'ai un sanctuaire à trouver si vous voulez. Hein? Vous voulez tout savoir. Voilà, toi c'est ça. Peut-être par là. Fiché, il est où ce sanctuaire? Sans déconner, ça bipait. Ça commençait un tout petit peu à biper. Alors ça bipait par là. Alors, ah attendez, c'est pas. Je vois pas du rouge là-bas? Non. Ça doit être le relais, ça. Si ça se trouve, c'est tout en haut de la montagne, hein, le truc. Comme c'était un petit bip qui venait à peine d'apparaître, ça pouvait être vraiment super super loin. Mais là, je ne retrouve plus du tout la direction de ce sanctuaire. Alors, j'ai espoir de l'apercevoir au loin, mais pour l'instant, ça ne veut pas. Et si je traverse? Voilà. Là, ça bip. Là, ça bip bien, même. Donc, c'est par là. Purée, les gros poissons, ils attaquent pas, j'espère, ceux-là. En fait, je voulais aller plutôt là-bas. Mais on va tenter une petite accélération. Là, on est en train de se faire emporter par le courant. Et c'est pas bon du tout. Voilà. Allez, rescalade ça maintenant. Hop, on évite bien les petits gobelins là-bas, mais il n'y a pas un coffre. Y a des poissons. Allez. Vous savez quoi? Ils sont trois. Hop, hop, hop. On débarque comme ceci. Bonjour, messieurs. Hop, un qui vole. L'autre, il a pris un truc enflammé. Ouais, non, mais n'essaye pas avec ton caillou. N'essaye pas, toi non plus. Il a shooté son copain. C'est d'une tristesse. Allez, bah, shoot le deuxième. Parce que eux, ils sont costauds en plus. Shoot-le. Puis il va tout me cramer, lui, là, avec sa torche. Attends, fais gaffe, tu vas te faire tuer. Fais gaffe. Non, mais tire sur ton pote. Et merde, j'aurais pas réussi à faire. Voilà, toi t'es mort. Allez, toi je m'occupe de toi. Déjà, j'aimerais que tu lâches ton arme. Donc, hop. Okay, il veut pas là. Si, c'est bon. Attendez, parce que là, on est en train de tout cramer en fait les hautes herbes et. Et j'avais peur de perdre plus que ce que j'ai perdu. Hop, les poissons vont me resservir à gagner les cœurs que j'ai perdus. Donc c'est parfait. Ah, Link est un petit peu voleur hein, dans ce jeu. Donc oui, le sanctuaire est par où? Et par où ce sanctuaire? Allez, ouvre-moi ça. Dis-moi un truc sympa. Petite flèche en bois, c'est bien. C'est mieux que rien.
J'ai hésité à les prendre, honnêtement, à la place de cette épée qui va bientôt me lâcher. C'est par là. Et son pote, où il est mort, que je récupère là le matos, excusez-moi, je fais un petit retour en arrière. Voilà, j'ai oublié ça. Dis pas qu'on va encore se retaper de la flotte, hein. Normalement, non. Petit champignon par là, parfait. Petit Bambi qui passe, excellent. Alors il est où ce sanctuaire? Tu bipes seulement quand... Je ne vois pas. Alors je suis vraiment aveugle et je suis passé devant. Oula. Alors première fois que je croise un ours. Je pense que comme dans beaucoup de jeux et comme dans la réalité, on va pas aller le voir en faisant oh le beau nounours. Non, on va se barrer en vitesse. Et putain, il a l'air rapide. Et tu sais que moi je vous aime bien. Tu sais que ça me dérange pas que vous soyez sur cette planète. Tu sais que ce qui arrive à tes potes au pôle Nord, je trouve ça dégueulasse. Hein? Tu le sais tout ça avant de me charger comme ça? Non, tu l'ignores. Tu l'ignores et tu t'en fous. Et ça va pas m'aider à trouver mon sanctuaire à la... Waouh! Ça, c'était canon. Ah, puis il y en a deux. Il y a papa et maman. Il y a papa et maman ours. Allez, on se barre. On se barre et ça bip plus, donc c'est pas par là. C'est peut-être en haut de la montagne. Hein. Pas ce petit bout. Hein. Loin de là. Mais c'est peut-être là-bas, quoi. C'est peut-être tout là-haut, en fait. C'est peut-être dans ce bordel qu'il y a un sanctuaire. Quand je suis comme ça bip pas mal. Donc on va garder cette trajectoire. Et là, ça disparaît. Pourquoi? Et là, ça reprend. Oh! D'accord, mais le courant est extrêmement fort. En tout cas, ça se pète. En tout cas, ça se pète à la flèche explosif. Et j'ai pas bouffé mon poisson, moi. Où est le poisson que j'ai récupéré? Voilà. Non, 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 pas comme ça. Je veux bien que tu manges, Link. Alors déjà, t'arrêtes de faire le con. Voilà, je veux que tu me sortes ton arc. Je veux que tu prennes une flèche explosive. Et peut-être que ce qu'on aperçoit là, c'est un bout de sanctuaire. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, mais je... Voilà. De toute façon, l'épée va bientôt se briser. J'aurais dû prendre les bâtons de... Allez. Allez, 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 allez. Allez, fais pas ta... Voilà, il est là. Ah, putain. Attendez, parce que ça va peut-être être super galère à l'intérieur en fait, hein. Ça va peut-être être super galère. Le plus dur n'est peut-être pas encore fait. Mais celui-là, il est bien caché, il était bien planqué. Et je me demandais comment sur cette map qui est quand même immense, ils allaient réussir à mettre 120 sanctuaires. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont planqués un petit peu comme ça risque d'être la merdasse à trouver. Mais bon. Et j'espère que ça vous ennuie pas de voir des sanctuaires. Parce que... Bah moi honnêtement ça m'amuse. Toi qui pénètre dans ce sanctuaire Toto Issa. Toto Lys.
Toïssa, oui, je pense. Je pense que ça se prononce de cette manière. Alors ça, c'est des mécanismes. Ah, ça joue tout au gamepad, ce que je déteste. Hop, et ben file-moi le trésor. On a déjà un de récupérer. Bouclier rigide, ben, je l'ai déjà en plus. Je l'ai déjà et j'ai que des bons boucliers, donc je suis malheureusement obligé de le laisser. Je me suis fait peur dans cette descente. Je me suis dit merde, s'il y a juste 3 cm et qu'il tombe entre la poisse. Alors, maintenant, on va former. Attendez. Il faut que je le descende celui-là. Ah, mais pas trop en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, putain, je me retrouve avec le gamepad tenu n'importe comment. Voilà. Ah bah non, c'est trop haut ça. Non, 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 remets pas, réinitialise pas, fais pas chier. Là, ça va mieux. Bon, on va pas se mentir, j'aurais pas été le maçon du siècle. Mais honnêtement, s'en fout, là, ça passe. Ça passe. Allez, encore une autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh la vache, la merde. Alors c'est un trésor ça. Je vous explique ce qui vient de se passer ou je vous le dis pas. J'ai mon. Vous devriez voir comment je suis positionné. J'ai paumé le stylet en fait du gamepad. Il se casse la gueule quand je le fais tourner en. Hop là, toi t'es là. C'est parfait, mais t'es pas le chemin qu'il faut. Une petite clé. D'accord, il va y avoir une porte verrouillée quelque part là-dedans. Ok, alors attendez, parce que, en fait, vu comment je suis placé, vu le micro, où est-ce qu'il est placé, je suis obligé de me tortiller. Donc je vais m'éloigner un petit peu. Veuillez m'en excuser d'avance. Ah merde, trop. Non, bah non. Putain, ce genre d'énigme à la con, je déteste. J'aime pas parce que je trouve pas ça précis, leur. C'est quoi ce truc blanc? Ah non, c'est juste. Là, tu passes quand même. Et donc, je peux ouvrir. Ok, donc j'étais obligé de récupérer le coffre. Donc, est-ce qu'il y a un autre coffre? Peut-être qu'il y en avait un autre. On va pas refaire comme dans la dernière vidéo à checker partout. Quoique un tout petit peu. Vous me permettez juste 30 secondes que je regarde. Donc là, là des fois, vous savez, c'est tout con. Des fois, je regarde bien autour parce qu'une fois, j'en ai eu un qui était vraiment tout près, mais il y avait toute une mécanique à mettre en place pour le récupérer. Ou alors il y avait juste ça et la petite clé. Ah non, non, il y en a un. Oh, quoique, c'est le même peut-être. Oui, il a l'air ouvert. Ouais, il a l'air ouvert, allez. Ça, à part là, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Hop, je vous avais dit ça et je vous montre la petite prière. Alors, je ne sais pas, je crois pas que je vous l'ai mis en vidéo. Tout d'un coup, maintenant que je me dis, tiens, je vais vous montrer ça, je suis en train de me dire, est-ce que je ne l'ai pas déjà montré? Non, normalement, j'avais coupé à la fin. Donc, non, 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 je vous ai jamais montré ça. Bon, bah, si jamais je vous l'ai montré, c'est une redite. Et je m'en excuse, mais il me semble que non. Hein. Et bah voilà, et de 4, un cœur en plus, ça va pas faire de mal.
Surtout que celui-là, il était chaud à trouver, hein, quand même. Comme sanctuaire. On a bien tourné pendant 7-8 minutes, là. Allez, téléporte-moi devant ce sanctuaire. Et on retourne à... Ah, je pourrais même aller au village Cocorico. Mais de toute façon, c'est de la téléportation. Et après, je vais repartir dans d'autres directions. Donc, quel que soit l'endroit. Mais c'est vrai que j'ai pris ce vieux réflexe d'aller là. Je le fais plutôt instinctivement maintenant. Donc, je vais garder cette technique pour l'instant. De toute façon, des endroits où prier, je pense qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure du jeu. Et voilà, et je pense que la prochaine fois que je vais jouer à ce Zelda, ça sera certainement pour avancer un petit peu dans ma quête principale. Donc ce ne sera pas en vidéo, très certainement. Et des fois j'y joue aussi sans que vous soyez là, je dois l'avouer. Je m'en excuse. Mais là, ouais, je vais prier, et puis je vais finir ce que j'ai aussi à vous finir rapidement. Et puis après je vais me faire à manger parce que je commence à avoir faim. Commence à se faire tard pour moi. Il faut que je mange. Allez, on se retape cette fameuse sortie, la première sortie qu'on a vue dans ce jeu. Je récupère toujours mon petit champignon qui est. Voilà. Donc on va prendre celui-là. Il a peut-être pas dû repousser. Je suis passé il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ah, ça fait que j'aurai même pas mes deux petites pommes qui vont m'attendre là en bas. Ah si, elles sont là les pommes. Quoi qu'il y en a qu'une aussi. Normalement, il y en a deux. Ah, je suis revenu vraiment trop rapidement là. Voilà, hop. Ting. On monte là. Tu veux bien, monte. Merci. On monte ici. On plane. Ouh, il y a un truc là. Il y a un truc là que je n'ai jamais ouvert. Mais quel idiot, mais quel boulet. Pourtant, je suis passé 50 fois ici. Pas 50 fois, non. 4 fois. 4 fois, 4 fois. Ah, bah toi, t'es revenu. Bah tiens, ça tombe bien, j'ai une épée à péter sur toi. Voilà, et file-moi ta masse. Merci. Et file-moi tout ce que je vais revendre maintenant. Allez, ça se passe là. Ça, je pense que ça se voit. Tiens, d'ailleurs, j'ai. Pour ceux qui ont le jeu, la dernière fois que je suis venu ici, juste là, près de ce pont, volait un dragon géant. Mais vraiment un gros, gros dragon. Vous savez ce que c'est? Vous avez la moindre idée de ce que ça peut être? Je ne savais pas s'il était amical ou non. Et je n'avais plus trop le temps de jouer, donc j'ai pas osé m'approcher de lui. Mais assez impressionnant. On aurait cru un dragon, hein, vraiment. Je crois que je l'ai filmé d'ailleurs, donc je vous le pense bête, mettre le dragon à la fin de cette vidéo. Oui, réceptacle de cœur, oui, je me suis pas gouré. Offre-moi ce que je désire. Eh bah ben comme ça me fera 6 cœurs, c'est déjà pas mal. Et bah voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Et surtout, je dois penser. Et je ramène la paix en Hyrule. Ça marche. Tu comptes sur moi, poulette. Je suis là pour ça. Alors je sais pas, est-ce que c'est quelque chose comme dans Wind Waker où il y avait des choses qui arrivaient que de temps en temps? Je pense que ça doit être ça, mais voilà, pense bête, vous mettre ce que j'ai filmé avec ce dragon à la fin de cette vidéo. D'ici là, eh ben, on se retrouvera très très bientôt pour une suite sur Zelda. Je ne sais pas quand, malheureusement, je ne sais pas à quelle vitesse je vous ai rentré. Déjà, c'est 3 vidéos que j'ai tournées moi aujourd'hui. Vous avez pu vous en rendre compte, j'ai tourné d'affilée. Mais voilà, c'est souvent la seule solution que je peux faire, c'est en tourner voilà, 2-3 d'un coup, et après vous les postez bah, au fur et à mesure. Parce que ça, par contre, c'est un peu plus
un peu plus long. C'est un peu plus long pour moi, mais voilà. Donc j'en suis désolé si ça n'arrive pas à la vitesse voulue. Sachez que honnêtement, je fais vraiment mon maximum pour que ma chaîne vive aussi et que bah y a des obligations à côté que je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Excusez-moi, et si ça se trouve même, j'aurais bien avancé dans le film game au moment où je vous mettrai cette vidéo. Ça aussi, c'est pas non plus impossible, mais j'essaye de faire au plus vite. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci à vous, hein, si vous me soutenez. Merci à vous si vous regardez toutes ces vidéos-là. Sachez que bah, ça me touche beaucoup, et vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai pas d'autres termes et pas d'autres vérités à vous dire que celle-ci. Donc voilà, allez. Le soleil vient de se coucher. Encore une belle nuit avec des squelettes qui vont sortir de partout. Et je vais m'arrêter là moi aussi. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao à vous. Très bonne soirée, très bonne nuit aussi. Bye bye.